La duchesse a volé d'Amérique à Londres pour le mariage de Pippa Middleton en 2017. Meghan Markle aurait été bouleversée que Pippa Middleton ait initialement refusé de l'inviter à son mariage de peur qu'elle ne lui vole la vedette, a affirmé un expert royal. La raison en est que les parents de Pippa Middleton ont exprimé des inquiétudes nourries concernant la présence de la duchesse de Sussex, selon la commentatrice royale et présentatrice de GB News Camilla Tomaine, qui a affirmé que cela avait incité Pippa à refuser d'inviter Meghan à son mariage en 2017. Écrivant dans The Telegraph, Madame Tomaine a rappelé que la sœur de la princesse Kate craignait peut-être d'être éclipsée par la petite amie de Harry lors de son mariage. Contre l'avis de ses parents, Pippa a finalement décidé d'envoyer une invitation à Meghan à la célébration du soir dans le but de maintenir la paix. Cependant, la duchesse a choisi de ne pas se présenter à la cérémonie à l'église Saint-Marc, haussant les sourcils royaux. Selon une source royale, les Sussex ne voulaient pas trop attirer l'attention et éclipser le couple de jeunes mariés lors de leur journée spéciale. Elle n'a fait une entrée que plus tard lors de la réception de mariage à la maison de la famille Middleton à Bucklebury, en Angleterre. Le prince Harry aurait quitté la cérémonie, aurait conduit 1h30 à Londres pour récupérer Markle, puis 1h30 au domaine de Middleton pour la réception, a rapporté Harper's Bazaar. À l'époque, la relation entre Harry et Meghan n'était pas encore officielle et connue du public. Se présenter ensemble à l'événement public aurait attiré la presse et éclipsé le mariage de Pippa avec James Matthews. Dans leur livre Finding Freedom, les experts Omid Scobie et Caroline Durand ont affirmé que le couple avait hésité à assister au mariage ensemble. Cependant, lorsqu'une histoire le jour du mariage a comparé les fesses de Pippa et Meghan, il a été décidé que Meghan ne devrait pas y aller.